Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, une vidéo un petit peu spéciale puisque ça y est, enfin, j'ai toutes les voitures du jeu dans mon garage. Et du coup aujourd'hui en vidéo, je vais vous refaire un petit tour de garage commenté en m'arrêtant sur les modèles que je préfère, tout simplement les modèles que j'ai vraiment un petit peu galéré à obtenir sur le jeu. Alors quand je dis que j'ai toutes les voitures, je parle évidemment des voitures donc du concessionnaire, j'ai toutes les voitures achetables on va dire de base avec les crédits du jeu, mais j'ai aussi toutes les voitures de Wheelspin et de Super Wheelspin, toutes les éditions Forza, et j'ai évidemment aussi tout ce qui est voiture de championnat saisonnier et de sélection du festival déjà sorti, c'est-à-dire que par exemple dans le garage vous ne verrez pas la Volkswagen IDR qui n'est pas encore sortie au moment où je fais cette vidéo, elle va arriver la semaine prochaine. Mais voilà, actuellement j'ai tout ce qu'il est possible d'avoir sur le jeu comme voiture classique, hors édition PO, ça je les ai pas encore toutes, mais parce qu'il y en a qui sont plus obtenables en France via la salle des ventes. Et aussi quelques voitures qui étaient glitchées que j'ai eu dans mon garage à un moment et qui ont été supprimées, notamment tout ce qui était véhicule de Story Horizon, comme le taxi, comme la Bel Air, et tout ce qui était aussi McLaren Senna et donc c'était la AE je crois, et la SE, voilà c'est ça, qui ont été donc supprimées de mon garage. Mais voilà, vraiment à part ça, j'ai tout, et je vous propose de faire un petit tour du garage, donc relativement rapide, puisque j'en ai déjà fait un il y a quelques mois, quand j'avais à peu près la moitié des voitures du jeu. Donc voilà, petit tour de garage commenté, et je vais m'arrêter peut-être sur certains modèles, notamment ceux que j'apprécie vraiment et ceux que j'ai galéré un petit peu à avoir, notamment la Apollo par exemple, qui était une voiture très recherchée à l'époque. J'ai galéré à obtenir puisqu'il fallait la débloquer sur une épreuve de test, et à cette époque là en fait il y avait tellement de monde connecté donc pour obtenir cette voiture qu'en fait le matchmaking déconnait complètement. Donc c'est une voiture qui est très rapide effectivement, qui était très stylée et que j'ai un petit peu galéré à avoir justement à cause de ça. Mais voilà, donc, petite Apollo. Chez Aston, je vais tout avoir aussi, j'ai même des doublons à l'édition Forza de la Vulcan en plusieurs exemplaires, j'ai les voitures de DLC, j'ai évidemment donc les dernières Aston qui ont été rajoutées sur le jeu donc en récompense de section de festival, comme je crois la Vanquish Zagato et la DBS Super Lega. Donc globalement, il y a beaucoup d'Aston que j'aime bien, je vais pas m'arrêter sur toutes, mais c'est vraiment les caisses que j'apprécie beaucoup. Chez Audi, c'est pareil, j'ai tout, j'ai même des doublons de voitures relativement rares, il me semble. Ah non, j'ai peut-être fait un petit tri. Voilà, avec la fameuse R8 V10 dont ils ont refait le son sur le jeu, qui est vraiment excellente. Et puis bon, évidemment tout ce qui est RS6, RS4, qui sont vraiment de très bonnes voitures sur le jeu aussi. Donc après, évidemment, toutes les Bentley, y compris le Trésor de Grange. Chez BMW, donc là, j'ai tout. De toute façon, j'ai toujours tout. Après, voilà, j'ai quand même quelques voitures que j'apprécie vraiment beaucoup dans cette marque, notamment la M5 de 2003. La M5 de 95 que je vais bientôt vous montrer dans une vidéo. Vous savez que j'ai commencé une petite série de vidéos où je vous montre des voitures, on va dire spéciales balades, que je vous recommande d'essayer. Et je pense que celle-ci en top B, je vais vous la montrer. Et puis bon, évidemment, la M3 de 30 aussi que j'adore dans cette catégorie, dans cette marque, voilà, BMW. Chez Bowler, je suis pas fan. Bugatti, bon, je pense que voilà, tout le monde connaît. On va pas s'arrêter 30 ans. Chez Cadillac, voilà, le fameux Escalade ESV qui est un des plus gros veaux du jeu, tout simplement. Qui est plutôt, plutôt sympa pour du RP, mais à part ça, il n'a pas grand-chose pour lui. Je pense que chez Chevrolet, je dois avoir pas mal de doublons aussi. Avec notamment la Monte Carlo Supersport, qui est une voiture de récompense de Story Laracer, qui est excellente, une fois bien réglée, pour tout ce qui est course, tout terrain, donc cross-country. Elle est vraiment excellente, et l'avantage, c'est qu'elle a beaucoup plus de vitesse max que la plupart des pick-up, qui sont habituellement utilisés en top play dans ces catégories-là de course. En aventure classée par exemple, ce qui fait que certes vous avez peut-être pas forcément la meilleure voiture pour grimper, même si elle est très très bien comme je vous disais, bien réglée. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur les épreuves de ruée libre, vous allez vraiment facilement pouvoir gagner beaucoup de points parce qu'elle a une très grosse de max, presque 300 hein, en cross country, c'est pas de la merde. Chez Ferrari, évidemment, voilà la 559 XX Evo qui est juste cheatée, qui est la voiture la plus rapide du jeu, qui va à plus de 500 km/h, et puis beaucoup de modèles que j'apprécie, notamment la 430 Scuderia, la 360 CS, la F50 GT, la F50, la F40, la Berlinetta, la F40 Competition, la 305 GTB4, et puis toutes les anciennes 250 qui sont juste d'excellentes voitures. Il y en a un paquet, et je pense que rien que chez Ferrari, il y en a pour pas loin de 60 millions de crédits, enfin, et encore, en comptant pas tout, parce que vraiment, c'est une des marques où il y a le plus de voitures chères sur le jeu. Bon, après, voilà, on va passer chez Ford, il y en a 1 milliard. Voilà, je vous expliquerai un petit peu dans une autre vidéo pourquoi, mais en gros, sachez que Ford, depuis quelques temps, ils ont entrepris d'ouvrir des équipes d'e-sport dans plein de pays, notamment en France, pas que pour Forza, mais pour tous les jeux de course en général, et du coup, ils se sont mis bien, on va dire, avec Forza pour un petit partenariat, et du coup, ils sont très représentés sur le jeu, mais d'un côté, ils le méritent, puisqu'ils font quand même quelque chose, on va dire, pour promouvoir, justement, l'amour du sport automobile dans les jeux, en tout cas, aux jeunes générations. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo un petit peu plus longuement peut-être. J'ai quand même pas mal de choses à dire.
Et pour le coup, c'est vrai que des Ford, il y en a un milliard sur ce jeu. Donc pareil, j'ai toutes les Winigan avec la fameuse RS200 bien réglée en S2. Réglage de SLL33 d'ailleurs, si vous cherchez un bon réglage en S2, elle est juste incroyable. Et les deux Unicorn aussi, il y en a deux différentes, c'est pas les mêmes modèles. Il y en a une qui est très rare et une qui est commune, on va dire. Bon, après on va attaquer la Zero Uno aussi chez Italian Design, que j'ai bien aimé, qui est assez récente. Et puis on va passer, c'est chez Jaguar. Où là aussi il y a pas mal de voitures assez chères, notamment la E-Type Lightweight à 10 millions, la Type D à 10 millions aussi, et la Type C à 5 millions elle est ici. Après il y a la CX-75, mais elle est chez James Bond. Bon, James Bond, j'ai pas tout piloté encore, il me reste des voitures à découvrir. Bon, peut-être qu'un jour je ferai une petite série de vidéos sur les voitures que j'ai un peu zappé de tester, mais qui pourraient mériter une vidéo tout simplement. Koenigsegg, évidemment, j'ai tout. Lamborghini, donc là aussi il y a des voitures que j'apprécie particulièrement. Notamment donc la Aventador SV, que je trouve bien meilleure que la Aventador normale. Il y a aussi évidemment donc ma Gallardo de rallye, que je vous invite à essayer si jamais vous cherchez un petit réglage rallye. Bon, normalement voilà, du rallye en supercar c'est un peu bizarre. Et pour le coup, celle-ci le fait extrêmement bien et c'est un réglage en top S1 que vous pouvez trouver si jamais vous voulez tester. Et elle fait franchement le café. En plus c'est une voiture que j'aime bien. Et puis il y a aussi évidemment la Diablo qui est une de mes voitures préférées de tous les temps. Depuis tout petit j'adore cette voiture. Et la voir sur les jeux ça me fait toujours plaisir. Chez Lancia, donc j'ai tout, voilà, la fameuse Lego de l'horreur aussi, avec les DLC et les trésors de grange Lego. On va passer chez Lotus aussi, avec l'excellente, de toute façon elles sont toutes bonnes chez Lotus, j'ai envie de dire, notamment la Elise GT1, la Esprit V8, la Evora, les Eleven sont excellentes. Voilà. Maserati qui a un des meilleurs SUV aussi, le 20 TS, et puis la MC12 Corsa et la MC12 FE qui sont deux voitures très cheaté, qui ont été quand même, notamment l'édition Forza, qui était réputée quand même pendant un petit moment comme étant une voiture parmi les meilleures du jeu. Évidemment McLaren, il y en a un paquet, puisque là aussi Forza et McLaren, il y a un petit partenariat des familles, et puis c'était l'aérocar du jeu, la Senna, donc forcément on en retrouve beaucoup derrière. Mercedes, qu'est-ce que je vais avoir comme modèle que j'aime particulièrement? Elle est où, je la vois pas. La SL65, voilà, en version classique. Que j'adore, et puis la 300 SLR qui fait un son bien modélisé sur le jeu et que je vous recommande d'essayer si vous l'avez pas encore testé. Si vous pensez avoir tout vu, celle-ci mérite le détour. Donc après, on a un petit peu de japonaise, la Mosler évidemment, la MT900S qui elle aussi pendant un moment a été la meilleure du jeu jusqu'à ce qu'il rajoute la King Cobra et la 559XX Evo. Après chez Nissan, il y en a un paquet que j'aime bien. Bon, évidemment les GTR, évidemment les Silvia, et puis mes parmi les préférés évidemment la Farley DZ. La R32 que je ne vois pas, pourtant elle doit y être, mais c'est juste que je la vois pas. La R33, et puis la 240SX qui est bien réglée avec un moteur de GTR est juste excellente. Pareil, je m'arrête vite fait sur la Noble M600, très bonne hypercar avec un V8 Volvo modifié par Yamaha. Elle fait le taf, vraiment celle-ci aussi, si vous cherchez une bonne petite hypercar qui vous permet de vous amuser. Elle peut mériter le détour. Pagani aussi, la WRBC avec son freinage à 10 sur 10, qui est juste monstrueuse cette voiture. Beaucoup plus impressionnant, je dirais, que toutes les autres de cette catégorie, de cette marque. Vraiment, la WRBC est incroyable. Bien plus rapide que la zone derrière, même si là, elle n'est pas améliorée à fond, forcément, on ne peut pas comparer. C'est vraiment un monstre, et ça, c'est depuis Horizon 3. Horizon 3 a été cheaté, mais alors là aussi, c'est assez impressionnant. Donc la Pontiac aussi, avec la GTO, le Judge, qu'ils ont modifié il y a pas longtemps, ils ont refait le son, voilà. Et puis Porsche, là aussi pas mal de voitures que j'apprécie, notamment une de mes autres voitures préférées de tous les temps, qui est dans cette marque, la 900 GT2, et la Turbo, la 3.3 qui est ici en livrée 1000K, mais qui est une de mes voitures préférées en vrai. J'adore les anciennes Porsche, j'adore de toute façon en règle générale les anciennes voitures, et celle-ci pour le coup j'aime vraiment beaucoup. La fameuse Quartz Regalia Type D et la Regalia normale, la Type D que vous obtenez à partir des prouesses de la Regalia. Et puis après, de toute façon, on est déjà dans les R en fait, on a bien avancé aujourd'hui. Je suis allé plus vite que la première fois que je vous ai présenté mon garage, où j'avais pris plus de temps pour certaines choses. Une de mes plus grosses déceptions, la Rimac C2. Voilà, très rapide en ligne droite, mais ne peut pas prendre un virage, donc c'est assez inutile. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus par la Rimac. Pareil, une de mes autres voitures préférées de tous les temps, la Cobra 427. C'est vraiment une voiture que je rêverais d'avoir en vrai, ça, mais malheureusement c'est beaucoup trop cher, comme vous pouvez vous en douter, que je préfère largement aux autres Cobra. La 427-65, là c'est juste top. Avec, elle est d'origine, je crois, celle-ci en B700. Et voilà, il y a de fortes chances qu'elle aussi vous la retrouvez dans une vidéo spéciale balade, un de ces quatre. La Tamorismo, que je peux citer aussi parce que je la trouve vraiment particulièrement pas belle. Elle a été rajoutée celle-ci en DLC sur Motor Sparcel, je crois, à l'époque. Et depuis, on se la tape sur les Forza. Je crois qu'elle peut-être que sur Horizon 3, elle était déjà, je sais plus.
En tout cas, elle est vraiment pas ouf. Enfin, en tout cas, je la trouve vraiment nulle. Le tracteur de chez Top Gear, qui est apparemment le meilleur véhicule off-road en classe B. J'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire, mais il y a plein de joueurs qui se plaignent, en fait, carrément, qui disent, ouais, elle devrait être nerfée, et tout, etc., etc. Et puis on va arriver à la fin de la liste, avec Volkswagen, donc il y a aussi pas mal de modèles que j'aime. Je dirais notamment la Golf MK3, la Cordo, évidemment, la R32, la Sirocco, que j'aime bien aussi. Et puis les anciennes Golf, j'ai dit, voilà, MK2 et tout ce qui va bien. Après, on a beaucoup de Volkswagen que j'apprécie pas forcément, et je trouve qu'on a eu trop en DLC, notamment, enfin je sais pas, j'ai eu l'impression qu'à un moment, ils nous rajoutaient que des Volkswagen et que des trucs un peu what the fuck, comme le type 2, attendez, voilà, le double cab. Bon, c'est sympa, mais on va dire que ça, y a rien de plus, par exemple, qu'un type 2, donc c'est le genre de DLC un peu foireux, je trouve. Et puis voilà, pour terminer, la Zenvo ST1, qui est une voiture là aussi gratuite, que vous pouvez obtenir, normalement, je crois, en atteignant 30 étoiles dans la société, dans la story, location de vitesse absolue, je crois que c'est ça. Donc voilà, clairement, beaucoup de voitures sur ce jeu, d'ailleurs peut-être trop, c'est ce que je dis, j'aurais préféré avoir que 200 voitures, mais qu'elles soient modélisées tout à fond, avec tout leur son à elle en vrai, et voilà, peut-être possibilité d'avoir un peu plus de customisation et de finition intérieure, plutôt que d'en avoir 600 avec, on va dire, les trois quarts qui reprennent exactement les mêmes sons. C'est un petit peu triste. Mais voilà, clairement, il y a beaucoup de voitures sur ce jeu, beaucoup de choix, et puis j'espère que, à l'avenir, nous rajouterons encore quelques véhicules, bien sûr, mais j'espère aussi qu'ils vont se concentrer un jour sur la modification de la map, qui, elle, n'a jamais subi, vraiment, on va dire, de DLC, pas vraiment d'extension, alors qu'il y a toute cette zone-là, avec le pont, que je pense qu'on rêverait de pouvoir franchir pour aller au nord de la map, et peut-être découvrir quelque chose d'un peu plus grand, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, je tenais à vous faire un petit tour du garage avec mes voitures préférées, et puis voilà, tout simplement pour vous dire que ça y est, j'ai tout. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit commentaire, dites-moi un peu, on va dire, les votre top 3 de voitures préférées sur le jeu. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner, à partager et puis acheter un petit coup d'œil en description pour mes liens de soutien. Notamment, voilà mon lien Instant Gaming, s'il y en a qui souhaitent acheter Horizon 4 une fois qu'ils auront vu la liste de toutes les voitures, eh bien, vous pouvez le trouver via mon lien en grosse promotion, largement moins cher que sur le store. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Et puis comme d'hab, si vous me suivez depuis le début, si vous avez vu mon garage grandir, à force des lives, au fur et à mesure des lives plutôt et des vidéos, n'hésitez pas à checker évidemment le bouton rejoindre sous cette vidéo et puis mon petit lien Utip si vous souhaitez me soutenir gratuitement. Donc, je coupe là, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.